Bonjour les filles. Tonton Robert était hospitalisé à l'hôpital depuis vendredi. Il était fatigué avec une glycémie élevée. Donc, il était sous oxygène, léger coma diabétique, parce qu'il était diabétique. Et ce matin, à 5 heures du matin, les médecins sont venus débrancher et ils ont dit qu'il est mort. Et au moment où on veut l'emmener à la morgue, ils disent que c'est un malade Covid et on veut aller l'enterrer aussitôt. Alors qu'il y a 2 jours, on avait fait un test, maman Orsi et lui-même étaient négatifs. Et hier, on a fait le passeport diplomatique et ce matin, on devait l'évacuer. Donc, de 5 heures du matin jusqu'à 9 heures, nous sommes restés à l'hôpital en train de contester leur diagnostic que c'est un malade Covid pour ne pas qu'on l'enterre aussitôt. Après moult tractations, nous avons obtenu gain de cause. Ils ont envoyé un autre corbillard qui finalement a récupéré Yann Robert, l'emmené à la morgue de l'hôpital Blanche-Gremesse. Et nous sommes partis maintenant au lieu de la veillée, là où habite tonton Robert. Maintenant, pour la suite, je vous dirai les